Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tous mes abonnés vont très bien. Encore toutes mes excuses pour hier. J'ai eu un contretemps parce que j'étais au garage, je pensais vite fini. Mais malheureusement, vous connaissez les mécaniciens. Voilà, il y a eu un contretemps, donc j'ai pas pu finir à temps. J'ai quitté le garage pratiquement à 20h30. Voilà. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais réagir rapidement, je dis bien rapidement, sur le cas des Bordeaux Licoufa. Ouais. De Bordeaux Licoufa a créé tout ce manque de respect-là. Et je vous explique pourquoi. Juste après le générique. On parlera aussi du Tiësto le Sultan, du DJ Léo et même de Roselyne Layou. À tout à l'heure. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Actuellement, Tiësto le Sultan fait l'actualité avec sa relation publique concernant Lolo Beauté. Actuellement, il nous dit vive le plein love avec Lolo Beauté. Mais je ne vais pas vous parler des histoires de culottes de l'artiste Tiësto le Sultan. Non. Je vais vous parler de sa musique. Oui, Tiësto le Sultan a sorti un morceau en featuring avec le chanteur, l'humoriste, le comédien, Poncho Legater, T'as l'amour. Franchement, j'ai regardé le clip, j'ai écouté le morceau, c'est pas mal. C'est du bon boulot et je trouvais ça pas sérieux, pas juste de ne pas faire une lucarne concernant ce son-là parce que le morceau il est encouragé. Le lien même est dans la description. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé le clip, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le son, allez cliquer rapidement et écoutez le son. Et surtout, venez donner votre avis ici en commentaire. Et puis dites que vous venez de la part de Rito. C'est très important. Parce qu'il faut que ces artistes-là sachent que Rito, c'est quelqu'un aussi. Juste pour rigoler. Voilà, donc nouvelle sortie. Tiësto le Sultan, futur pote, tu regardes T'as l'amour, c'est disponible. Le clip est beau. Le clip est beau. Et puis le refrain, non, pas le refrain. Le couplet de Poncho Legater m'a quand même plu, où il fait un petit hommage à Didier Arafat, comme quoi Didier Arafat nous avait prévenu que s'il mourait ou bien s'il tombait, le couplet décalé tombait avec lui. Bien que Serge Beno, Debordeaux, Mix, Safarel, Ariel Chiné, Consort, et c'est tant bien que mal de toujours rendre constant ce mouvement-là, faut être de reconnaître, faut être de constater que ce mouvement-là a pris un gros coup depuis la disparition de notre légende Didier Arafat. Donc, big up spécial à Poncho Legater pour cet hommage-là. Aujourd'hui aussi, on va parler du tout dernier DJ Léo. Oui, DJ Léo a fait sortir un tout dernier de très belle facture, toujours en mélodie, Je suis important. Oui, DJ Léo a sorti Je suis important et franchement, moi j'ai aimé le son. Mais j'ai envie de faire une petite critique, j'espère que là tu vas pas mal le prendre. Voilà, j'ai vraiment envie de faire une critique. DJ Léo, dans Je suis important, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est la manière de chanter là qui ne change pas, DJ Léo. C'est les mêmes envolées là qui ne changent pas. Sinon, le morceau est bon, le morceau est chic. J'ai bien apprécié le morceau, mais quand je regarde ta manière de chanter, dans pratiquement tous tes sons, c'est à peu près la même chose. Bon, peut-être que c'est ta signature, mais je trouve que c'est un peu monotone pour ma part. Voilà. Pour ceux aussi qui n'ont pas encore regardé le clip de DJ Léo, le lien de son clip et en description, allez cliquer, dites-lui que vous venez de la part d'Eric. Et venez me dire si vous validez le son comme moi et si vous faites la même remarque comme moi. Voilà, DJ Léo a très bien chanté le morceau, mais je trouve que c'est répétitif. Voilà, il n'a pas été trop inspiré sur ce coup-là. Je ne dis pas que le morceau n'est pas intéressant, mais par sa manière de chanter, par les mêmes envolées, par ce qu'il a répété dans tous ces différents morceaux, bon, j'ai pas été, voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Comme Roselyne Layou le dit, pour terminer avec Roselyne Layou, avant d'aborder le sujet, c'est toujours la même phase avec DJ Léo. Voilà, mais sa force, c'est qu'il a une très belle voix, donc le morceau finit par prendre. C'est ça, en fait, la force de DJ Léo. Aujourd'hui, Roselyne Layou le fait encore. Après son gros concert au Sofitel Hôtel Ivoire, où elle a fait guichet fermé, salle comble, Roselyne Layou s'attaque au Palais de la Culture. Oui, précisément à la salle Anoumambo. Elle va encore écrire son histoire là-bas. Voilà. Vous savez que dans tout mouvement,
il y a toujours des retardataires. Pour ceux qui ne le savaient pas, qui ont envie d'aller écouter Roselyne Layou en live, aujourd'hui elle a concert au Palais de la Culture. Donc je vous invite à courir massivement parce qu'il y a des gens qui vont vous vendre des tickets à l'entrée. Puisque elle, ses spectacles, généralement, c'est guichet fermé, ce sera quand même un peu difficile, mais c'est fort probable que vous trouviez un ticket pour aller assister à son concert parce que on ne peut pas finir tous les tickets. Voilà, parce que la salle de Mambo, c'est 4000 places. Quand on veut trop excéder, peut-être, c'est 500 personnes de plus. Donc, aujourd'hui, elle fera encore Roselyne Layou et on concert au Palais de la Culture. Aujourd'hui, 7 janvier 2023, Roselyne Layou nous donne rendez-vous au Palais de la Culture. Donc, sortons massivement et allons soutenir cette belle dame-là qui vient faire de l'ombre et qui est en train de faire de l'ombre à plus d'une. Voilà, on ne va pas dire à plus d'un. C'est un gros talent, c'est un talent naturel, un talent inné, un talent sans forcer. Voilà, on parle des choses sérieuses maintenant tout à l'heure. Oui, comme je vous ai dit, d'après Kota Monjik, oui, oui. Debordo Likoufa s'est ridiculisé lui-même, oui. C'est la vérité. Il s'est ridiculisé lui-même concernant cette affaire du Super 95. Mais vous savez très bien que Eritor fait ces choses pas à pas. Pourquoi je vous dis que Debordo Likoufa s'est ridiculisé lui-même auprès du petit Super 95? D'abord, c'est ton petit frère. En âge, c'est ton petit frère. Au niveau de la carrière musicale, tu as commencé le mouvement avant lui. Bien qu'il soit signé aujourd'hui. Donc, quelque part, même si le petit Azaé, il a été forcément conseillé. Soit par son staff, ou soit par sa maison de production. Bien que ça reste toujours et ça demeure un manque de respect, selon la manière. Mais toi, Debordo Likoufa, pour un artiste de ta trempe, qu'est-ce que le petit Suspect 95 peut dire, même au téléphone, que tu te sens obligé, de vous à moi, que tu te sens obligé de venir rendre public dans un direct? Si je réagissais comme ça, après le direct, si je disais ça, les gens n'allaient pas comprendre. Mais j'ai fini par décortiquer tous les événements de cette histoire-là. Et maintenant, je m'adresse gentiment à l'artiste Debordo Likoufa. C'est toi qui as prêté le flanc à ton jeune frère Suspect 95 de te manquer de respect. Bah oui. Parce que tu l'as appelé. Il s'est permis de rabouer ou de t'envoyer balader comme quoi on voit le son, je vais valider, si c'est bon, on va faire le son et tout. Tu pouvais le garder pour toi, très honnêtement. Pour un artiste de ta trempe, tu pouvais le garder pour toi. Mais comme tu te plais à vouloir tout nous dire, c'est pas mauvais. C'est un béret, donc nous on va toujours écouter. Mais tu as trop considéré le petit. Oui, moi je le dis, tu l'as trop considéré. Je ne dis pas que Suspect 95 n'est pas une de nos grosses stars ici en Côte d'Ivoire. Je ne vous dis pas que Suspect 95 n'est pas talentueux ou est un artiste moins que rien. Mais je veux dire, toute cette bouillamini là, c'est l'artiste de Bordeaux qui l'a créé. Parce que c'est quand même de Bordeaux. Super 95, t'as refusé un featuring ou bien t'as envoyé balader. On n'est même pas obligé de le savoir. Parce que quand tu nous le dis, mais quand tu nous informes, c'est le petit que tu rends grand. La preuve en est que quoi? Lui, Super 95, il va se permettre de faire un featuring. Voilà, il va faire un featuring où il va te traiter de menteur. C'est toi-même qui as cherché de Bordeaux. Je tenais seulement à le dire. C'est toi-même qui as cherché ça. Sinon, tu pouvais éviter ça. Sans problème. Mais toi, pour toi, il faut forcément réagir à tout, répondre à tout, faire la remarque sur tout. Malheureusement, ça t'a défait. Voilà, ça t'a défait parce que je pense que tu as trop considéré ça, en fait. Voilà, tu pouvais passer sous silence. Tu pouvais passer sous silence. Pour lui montrer que, parce qu'il pense qu'il est arrivé là. Toi, Debordo dans ta tête, c'est encore ton petit. Voilà, donc pour réitérer encore la phrase, parce que ça t'a desservi. Voilà, ça t'a desservi. Le petit a pris ton direct. Il s'est inspiré de cela pour nous sortir un gros freestyle dans lequel il t'a fait un clin d'œil. Pour lui, mon vieux, je ne suis plus le gosse que tu connais. Je suis très structuré maintenant, très professionnel. D'après lui-même, nos frères sont un business. Il te l'a dit clairement. Voilà. Donc, prochainement, si ce n'est pas un artiste de ta catégorie, de ton époque, il faut passer sous silence. Ce n'est pas grave. Ça ne t'enlèvera rien. C'est ce que je tenais à dire concernant le cas de Debordo Likoufa. Qu'est-ce que vous en dites? J'attends vos avis en commentaire.